Olá a todos e a todas. Sou Raquel Moreno Garcia, sócia fundadora e diretora de comunicação da Constructo Instituição Psicanalítica. Nós temos a honra de contar com a presença de Christophe Dejours, psiquiatra, psicanalista, membro do Instituto de Psicosomática de Paris e da Associação Psicanalítica da França e também presidente da Fundação Jean Laplanche de Paris. E contamos com esta entrevista que inaugura o nosso canal do YouTube, da Constructo. Bonjour, messieurs. Pour nous de la Constructo, vous remercions et de votre présence et de nous concéder cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec l'œuvre freudienne et quels en sont les concepts que vous utilisez pour votre pensée? C'est une vaste question. J'ai un rapport assez approfondi avec l'œuvre de Freud. Mais il faut tout de suite corriger cette affirmation parce que ma lecture de Freud est quand même très influencée par la lecture de Freud par un psychanalyste français important que vous connaissez bien qui s'appelle Jean Laplanche, qui a passé sa vie, lui, à lire et surtout à traduire l'œuvre de Freud. Et ce n'est pas seulement un traducteur de l'œuvre de Freud, c'est aussi une certaine lecture qu'il propose. Et je suis quand même très tributaire de cette lecture que Laplanche fait, en particulier parce que je suis entré dans la psychanalyse avec une sorte de présupposé, qui était certainement au centre de la préoccupation de Laplanche, c'est-à-dire que je partage avec Laplanche, c'était le point de départ, ce qu'on peut considérer comme la centralité de la sexualité dans le fonctionnement psychique de tout être humain, mais c'est aussi la centralité de la sexualité dans la psychanalyse. À savoir que, à la suite de Freud, les lecteurs de Freud, mais aussi les grands auteurs, les grands penseurs, pour beaucoup, ont évidemment chacun une certaine spécificité dans la façon dont ils travaillent avec l'œuvre de Freud. Mais dans l'ensemble, la tendance à travers le monde, c'est de laisser un peu de côté la question de la sexualité. Ça va même assez loin dans toute une partie de la psychanalyse, en particulier américaine, où on va jusqu'à renoncer à ce que cette partie de l'œuvre de Freud qui est la théorie de la pulsion, qui est rejetée aujourd'hui par une bonne quantité de psychanalystes à travers le monde. Pour moi, au contraire, ce qui compte dans l'œuvre de Freud, principalement, c'est cette découverte de la sexualité infantile. Et je m'appuie sur Laplanche parce que Freud lui-même a été quand même hésitant. C'est-à-dire, à la fois, il est celui qui a découvert la sexualité infantile, et toute son importance pour comprendre les conduites humaines depuis la vie érotique jusqu'à la production des œuvres de la culture, la formation de la civilisation. Donc c'est quand même Freud qui a montré que la sexualité était en cause non seulement dans la partie amoureuse de la vie, mais également dans la vie sociale, et notamment à travers un concept qui, pour moi, est un concept clé de Freud, puisqu'on discute de Freud, c'est la théorie de la sublimation. Et la sublimation comme processus psychique intermédiaire entre la sexualité et la production des œuvres de la culture. Donc les textes de Freud sur la sublimation, en particulier le Léonard, mais bon, c'est vrai que ça traverse toute son œuvre. Pour moi, les deux grandes sphères d'accomplissement de soi sont d'un côté le champ érotique, toute la question de l'amour, des échecs de l'amour, toute cette partie de l'œuvre de Freud, jusque j'ai compris ce que ça implique dans la conception de la névrose, qui est toujours dans, en tout cas une bonne partie de l'œuvre de Freud, une conséquence des conflits qui naissent à cause de la sexualité, à cause de la pulsion. Et puis, donc, il y a une sphère qui est la sphère érotique, l'accomplissement de soi dans le champ érotique qui passe par l'amour et les échecs de l'amour. Et puis l'autre partie qui est l'accomplissement de soi dans le champ social et qui passe, de mon point de vue, en tout cas toujours par le travail. Donc ma lecture de Freud s'appuie beaucoup aussi sur la théorie de la sublimation, mais avec un petit développement qui n'était pas vraiment un point d'intérêt, un point de réflexion théorique chez Freud, qui est la question du travail. Donc l'accomplissement de soi dans le champ social, pour moi, passe par le travail, et le travail, c'est un lieu d'observation clinique des processus qui sont en cause dans la sublimation, mais aussi dans les échecs de la sublimation ou la mise en échec de la sublimation par certaines formes d'organisation du travail. Donc, je lis Freud à la fois pour la psychanalyse, puisque une grande partie de mon travail, c'est quand même la psychanalyse, le travail avec les patients, mais j'ai aussi un autre champ de préoccupation qui concerne la clinique du travail, la psychopathologie du travail et une discipline nouvelle qui s'appelle la psychodynamique du travail. Donc c'est un champ un peu particulier de clinique, mais c'est aussi une théorie, et cette théorie est entièrement structurée à partir de la conception de la sexualité et de la sublimation chez Freud. Voilà, donc mon rapport à Freud est un petit peu compliqué. À la fois, je reste toujours très bouleversé quand même par la lecture des textes de Freud, par la capacité quand même de découverte de Freud, parce qu'il n'a pas seulement découvert la sexualité infantile, ensuite il a cherché à comprendre comment cette vie sexuelle prenait des voies différentes pour donner naissance à toute une série de processus psychiques. Certainement, les textes les plus importants pour moi, c'est l'interprétation du rêve. Le rêve reste pour moi un des lieux clés de la clinique, mais aussi de la pratique de l'analyse. Qu'est-ce que l'on fait des rêves, comment on comprend les rêves, comment on travaille les rêves, comment on reçoit les rêves des patients. Et puis, en même temps, j'ai quelques réserves, voilà, sur Freud, mais qui viennent beaucoup, qui se sont systématisées beaucoup grâce à l'œuvre de Laplanche, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et car Freud a un peu hésité. Il a été celui qui a découvert la sexualité infantile et qui a montré à quel point elle était présente et quel était le génie finalement de la sexualité infantile, qui a des revers qui se présentent quand même d'une façon ambiguë, équivoque, qui peut être à la source de très grand plaisir, mais qui est aussi à la source de beaucoup de souffrance. En avançant dans son œuvre, Freud a pris des positions sur cette sexualité qui ont un peu atténué, donc c'est ça la lecture critique, elle a un peu atténué cette centralité de la sexualité dans sa propre conception à lui, qui s'est faite au fur et à mesure, notamment à partir de l'introduction d'un texte qui s'appelle « Pour introduire le narcissisme » en 1914, et surtout à partir du texte de 1920 sur l'au-delà du principe de plaisir, l'introduction de la pulsion de mort, qui marque quand même un tournant, non pas que je sois en désaccord avec l'idée même de pulsion de mort, mais c'est quand même un tournant dans l'œuvre, un tournant dans la conception aussi de la pulsion, un tournant dans la conception de la sexualité. Et je crois que voilà, il y a quand même une tentation chez Freud de penser que cette sexualité infantile serait d'origine biologique, que ce serait à partir du corps biologique que naîtrait la pulsion. Et là, il y a une difficulté pour moi, bon, qui est surtout très théorisée, et dont l'inventaire sur le plan métapsychologique a été dressé par Laplanche d'une manière assez magistrale. Je suis quand même très influencé par la lecture de Laplanche, avec qui j'ai quand même travaillé plusieurs années. Et je suis en fait très captif, je dirais, de la lecture de Freud par Laplanche et de la manière dont Laplanche a procédé, c'est-à-dire de faire un départage entre les différentes hésitations de Freud tout au long du développement de son œuvre. J'ai donc adopté le point de vue de Laplanche sur l'origine de la sexualité infantile, qui ne serait pas biologique, mais qui serait plutôt transmise par l'adulte à l'enfant, par cette opération particulière, ce processus particulier qui s'appelle la séduction de l'enfant par l'adulte, et que Laplanche a systématisé dans la théorie de la séduction généralisée. Mais, bon, ce sera mon dernier point, mon rapport à Freud est aussi très marqué par le fait que je suis entré dans la clinique, dans la pratique clinique de la psychanalyse, par une voie qui n'est pas tout à fait classique. À l'époque de ma formation, quand j'étais jeune, on considérait que pour pouvoir commencer le métier de psychanalyste, il fallait d'abord s'occuper de patients névrosés. La base de la psychanalyse, c'est la névrose. Mais bon, voilà, pour des raisons compliquées, j'ai commencé par la médecine et puis je me suis beaucoup intéressé à la biologie. Et donc j'ai commencé en réalité la pratique analytique dans des hôpitaux et notamment dans des services hospitaliers qui étaient voués évidemment non pas à soigner des malades mentaux mais surtout à soigner des malades du corps, en particulier en diabétologie, en métabolisme, en endocrinologie. Et mon intérêt pour la psychanalyse, c'est cette chose qui reste quand même assez mystérieuse pour moi, bien que je travaille là-dessus depuis 50 ans. C'est quand même le pouvoir de la psychanalyse d'avoir un impact sur l'évolution des maladies du corps. Il y a des multiples explications, certaines sont très raffinées, mais quand même ça reste assez extraordinaire que même la maladie du corps ne soit pas une fatalité, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, le destin de cette maladie et le destin du malade peut vraiment changer en fonction de la manière dont il pense, dont il est capable de traiter les conflits psychiques et les conflits avec sa vie sexuelle. Donc je me suis engagé en fait d'abord en psychanalyse par la voie de la psychosomatique. Alors, c'est ça la deuxième particularité de mon rapport avec Freud, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de développer une partie de ce qui me semble être présent à l'état potentiel dans la théorie de Freud, c'est toute cette partie qui concerne le travail, parce que le travail occupe une partie importante de notre vie. Et même la psychanalyse, pour moi, c'est aussi un travail, c'est aussi un métier, ce que beaucoup de mes collègues contestent, c'est-à-dire que ce n'est pas un métier, que ce n'est pas un travail, mais moi je pense comme ça. Mais il y a un deuxième volet sur lequel je me suis trouvé un peu en délicatesse, comme on dit, un petit peu en difficulté avec Freud, c'est que m'occupant spécialement de patients atteints de maladies du corps, et puis par la suite, étant devenu psychiatre, puis psychiatre des hôpitaux, je me suis aussi occupé beaucoup de psychotiques, et qu'il s'agisse des patients somatiques ou des patients psychotiques, une des questions incontournables, c'est la question du corps. Et je suis obligé de reconnaître que Freud était assez réticent, voire opposé à ce que la psychanalyse s'engage dans une théorie du corps, d'une théorie de la psychosomatique en particulier. Mais tous les proches de Freud, parmi ses élèves qui ont voulu aborder la question du corps, finalement, Freud a rompu avec eux et a marqué un désaccord très net. Il ne voulait pas. Il était, je pense, très réservé sur la possibilité pour la psychanalyse d'avoir une théorie du corps. Le corps appartenait à la biologie. Moi, je suis obligé de développer une théorie du corps et une métapsychologie du corps à cause de cette clinique. Alors, voilà, je ne pourrais pas développer cette théorie du corps sans m'appuyer sur Freud, mais quand je le fais, je sais que je lui suis un peu infidèle. Voilà, donc c'est une difficulté pour moi. La deuxième question, à propos des problématiques développées par Jean Laplanche, qu'est-ce que vous remarquez et qu'est-ce que vous employez dans votre pensée théorique clinique? Un petit peu. Et bien. De façon brève. Oh. De façon brève, je pense que j'utilise pratiquement tout ce que Laplanche a fait. En fait, je suis foncièrement en accord avec la théorie de la séduction généralisée, qui est la manière dont Laplanche s'est ressaisie de l'ensemble de l'œuvre de Freud, mais à certains égards, on pourrait dire, a un peu simplifié Freud. Il a fait un partage, il a dit ces choses-là sont incohérentes et il les a... Il a proposé de renoncer à un certain nombre de concepts qui étaient avancés par Freud. Et bon, voilà, je trouve que la reconstruction ou la relecture de Freud par Laplanche est vraiment extraordinaire. Elle est très puissante sur le plan théorique, mais c'est vrai aussi qu'elle a des incidences importantes pour moi dans la pratique. Donc je suis en accord complet, quoi, je pense, avec l'œuvre de Laplanche. Ça vient aussi beaucoup du fait que j'ai connu Laplanche assez tardivement dans ma vie, parce que j'étais déjà âgé, et j'ai quand même beaucoup travaillé avec lui pendant 12 ans. Et c'est une chance un peu inhabituelle, je pense, d'entrer comme ça dans la pensée, dans l'œuvre, dans le travail d'un grand penseur à un âge avancé. Parce que moi j'étais déjà psychanalyste, j'étais déjà professeur, etc. Et donc il n'y avait aucun enjeu personnel. Je suis venu travailler avec Laplanche pour l'œuvre de Laplanche. Donc c'est vrai que je la connais bien quand même. Puis par la suite, j'ai tellement travaillé avec lui que j'ai échangé beaucoup dans les dernières années sur la continuation de son œuvre. Donc il y a une partie la fin, les dernières années, qui sont des années très productives dans l'œuvre de Laplanche, auxquelles j'ai directement participé. Je pense que je l'ai même, bon, toute modestie, mais je l'ai quand même beaucoup aidé à produire toutes les dernières théories sur notamment l'introduction du genre dans la théorie sexuelle. C'est un travail énorme que j'ai fait avec lui, c'était ses idées, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup aidé quand même à faire ce travail. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé avec, enfin, oui, j'ai quand même pas mal travaillé avec lui sur l'introduction de la troisième topique, la topique du clivage, et puis enfin sur la théorie du rêve, où là aussi nous avons eu beaucoup d'échanges. Voilà, moi je n'ai directement, je n'ai pas vraiment débattu avec Laplanche de mes propres idées. C'était vraiment sur son œuvre à lui que je travaillais avec lui. Et c'est très, très passionnant de rencontrer un maître quand on a soi-même 50 ans, si vous voulez. Alors que des maîtres, j'en ai eu avant lui. Mais lui, c'était quand même une pensée très novatrice et surtout structurée comme ça par une volonté de systématisation, une volonté de rendre compte rationnellement de ce qui se passe dans l'analyse et de ce qu'est le fonctionnement psychique humain, bon, qui m'a quand même été essentiellement, il faut le dire, c'est lui qui m'a appris les choses et moi je ne lui ai pas appris grand-chose. Voilà, donc pour l'essentiel, je suis entièrement d'accord avec Laplanche. Mais ce que je n'ai pas discuté avec lui, c'est justement ma pratique dans la psychose, ma pratique dans les maladies somatiques. Et donc j'ai développé à partir de son œuvre à lui aussi un certain nombre de choses, voilà, qui sont peut-être des petites choses, mais une partie de ces idées, je les avais avant de rencontrer Laplanche. Mais c'est vrai qu'après avoir rencontré Laplanche, j'ai été obligé de remanier quand même les idées, les intuitions premières. Je les ai gardées, mais quand même, elles ont été remaniées grâce à la discussion avec Laplanche et la théorie de la séduction. Et je pense qu'une bonne partie, si vous voulez, de ces développements, y compris dans le travail, parce que là je parlais de la psychose, de la maladie somatique, puis il y a toute la question de la psychodynamique, la psychopathologie du travail. Je pense que toutes ces recherches, je n'ai pu les mener que parce que je pouvais m'appuyer sur cette théorie de la sexualité humaine de Laplanche. Donc je suis en dette considérable à l'égard de l'œuvre de Laplanche. Proposer le concept de la troisième topique. Comment est-ce que cette troisième topique se constitue? Comment elle se constitue? Oui. Comment la théorie se constitue ou comment elle se constitue? La troisième. Comment elle se constitue, oui, chez chacun d'entre nous. C'est ça. Oui. Alors, pour y répondre aujourd'hui, je serais obligé de passer par Laplanche. C'est-à-dire, ce que étudie Laplanche, c'est comment se forme le moi, ou comment se forme l'appareil psychique, comment se forment les différentes parties de l'appareil psychique. En fait, ce qui intéresse surtout Laplanche, c'est ce qu'en métapsychologie, on appelle, avec Freud, la première topique, c'est-à-dire la topique du préconscient-conscient, et puis de l'autre côté, l'inconscient. La théorie de Laplanche est une théorie qui permet de comprendre comment cet appareil psychique se construit et se bâtit lui-même, puisque vous êtes dans Constructo, c'est une construction. Laplanche, pour lui, cet appareil psychique n'est pas donné à la naissance, il faut que l'enfant agisse, pense, éprouve, expérimente la vie, mais expérimente surtout son corps, le corps de l'autre, le rapport à ce qui s'éprouve sur le mode de l'affect et tout ce qui relève de la manière dont on habite son corps et la façon dont le corps s'éprouve sensuellement et comment la sexualité est toujours orientée vers la recherche de davantage d'excitation. L'œuvre de Laplanche est une œuvre qui explique comment tout ceci se construit petit à petit et se différencie, se développe. Tout ça, c'est aussi des termes qui sont chez Freud. Comment se construit le préconscient, comment se construit l'inconscient. Et le point clé de cette construction, c'est le refoulement. Voilà. Donc Laplanche a une théorie particulière du refoulement qui s'appelle la théorie traductive. C'est par le biais de la traduction, l'enfant se saisit, qu'il le veuille ou non, puisque d'une certaine façon, il est, en raison de sa position d'enfant inégale par rapport à l'adulte, quelque chose de l'adulte passe en lui, je ne vais pas détailler, bon, ça passe par l'implantation, une excitation vient de l'adulte et l'enfant fait un effort pour lier cette excitation sous la forme cardinale que Laplanche identifie comme étant une traduction. Cette traduction est incomplète et ce qui n'est pas traduit, c'est précisément ce qui est refoulé. Donc là, on a une théorie de la construction de l'appareil psychique, la construction de l'inconscient. L'inconscient, c'est le résultat du refoulement, c'est le résultat indirect de la traduction, parce que cette traduction n'est pas complète, elle laisse un reste, et c'est ce reste qui devient qui forme l'inconscient. Alors c'est sur la base de cette conception du développement, qu'on appelle la théorie traductive du refoulement, que vient s'articuler la question de la troisième topique. Cette troisième topique se forme parce que certains messages de l'adulte ne peuvent pas être pris en charge par l'enfant pour faire ce travail particulier de pensée qui est la traduction, avec les défauts de la traduction. Et donc, il y a des cas dans lesquels tout ce processus est paralysé et donc la traduction n'a plus lieu. On est dans le non-traduit et les messages en question, qui sont à mon avis des messages très particuliers, sont des messages qui ne sont pas traduisibles par l'enfant parce qu'ils sont marqués, ils sont estampillés par la violence de l'adulte. Je schématise un peu, mais en gros c'est ça, c'est la violence de l'adulte, c'est-à-dire le moment où dans les liens, les relations, la communication qu'il y a entre l'enfant et l'adulte, l'enfant entre dans des jeux avec son propre corps ou des jeux avec le corps de l'adulte par lesquels il se découvre lui-même et découvre l'autre, mais ça passe par des jeux qui ont une dimension sexuelle. Et là, quelquefois, l'adulte lui-même perd le contrôle de ce qui se passe en lui. Il devient un peu fou, on peut dire, pour dire grossièrement. En fait, il est emporté par un mouvement de compulsion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se produit en lui, qui a la dimension du passage à l'acte au sens fort du terme, c'est-à-dire d'une résolution de l'excitation qui ne passe pas par un jeu subtil avec l'enfant, par des paroles, par des caresses, par des soins, mais où tout à coup, il y a comme une explosion de la part de l'adulte qui devient de façon compulsive violent et qui est pris de haine contre son enfant, ou qui est pris de rage contre lui, de dégoût vis-à-vis du corps de son enfant, et qui frappe l'enfant. C'est la forme la plus classique, celle que j'avais trouvée initialement dans le champ de la psychosomatique, des adultes qui tout à coup deviennent violents avec leur enfant, parce que l'enfant fait quelque chose qui touche sexuellement l'adulte, de telle sorte qu'il ne peut plus contrôler sa réaction. Et le fait que ce soit une réaction compulsive de la part de l'adulte donne à cette communication de l'adulte vers l'enfant, donne au message de l'enfant une forme telle, c'est tellement brutal que ça déborde les capacités de l'enfant de penser, il ne peut plus penser. Et dans certains cas, ça paralyse sa pensée, il est tétanisé, il ne peut plus bouger. Dans d'autres cas, c'est ce qui commençait à se former du côté du moi, du côté du préconscient, qui explose. La pétrification que vous parlez, la pétrification... Pétrification, c'est quand l'enfant est immobilisé. Oui. Mais dans certains cas, l'enfant perd complètement tout ce qu'il avait acquis et remis en cause. Il est dans un état de crise où l'excitation le déborde complètement. Et quand ils sont petits, les enfants, lorsque le moi éclate sous l'effet de la violence de l'adulte, tout de suite l'enfant somatise. Tout de suite il se met à avoir des diarrhées, des douleurs abdominales, des vomissements, des troubles du sommeil, il ne peut plus dormir. Vous avez un enfant qui tout de suite tombe malade du corps. Alors voilà, tout ça c'est le champ de la psychosomatique infantile, mais qui est extrêmement bouleversant, qui est très très intéressant. On voit bien que dans certains cas, ils n'arrivent même pas à en rester à ce stade de la paralysie, de la tétanie devant la folie de l'adulte. Lui-même, il tombe déjà malade. Ça, c'est le signe de l'éclatement du moi qui était en train de se former. Donc dans ce cas-là, si l'enfant ne peut pas penser, il ne peut pas traduire. Il ne peut pas manipuler le message de l'adulte, il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais en même temps, il ne peut pas le penser. S'il ne peut pas le penser, s'il ne peut pas traduire, ben, il n'y a pas de refoulement. Puisque la traduction, c'est la partie noble, celle qui donne le préconscient. La partie non traduite, c'est ça qui forme l'inconscient sexuel refoulé. C'est un processus très subtil. S'il n'y a pas de traduction, il ne peut pas y avoir de refoulement. Donc ce qui s'inscrit dans le fonctionnement psychique, ne peut pas être du refoulement. Donc un autre inconscient se constitue qui n'est pas un inconscient sexuel refoulé. Ça, c'est la formation de la deuxième partie. C'est comme ça qu'on arrive à une topique où il y a l'inconscient sexuel refoulé qui est celui qui est essentiellement étudié par Freud. Et maintenant, il y a un deuxième inconscient qui est un inconscient que Laplanche désigne comme enclavé. Question. Et Laplanche propose l'inconscient enclavé et vous l'inconscient amancial. Pouvez-vous nous en parler? Oui, l'inconscient enclavé, c'est la manière dont Laplanche a pris la première construction de cette topique, troisième topique ou topique du clivage que j'avais élaboré donc à partir de la psychosomatique et de la psychose, et où moi je parlais d'inconscient amancial pour insister sur le fait que ça correspond effectivement à une situation où l'enfant ne peut pas penser. Voilà. Laplanche n'accepte pas cette idée qu'il puisse y avoir quelque chose de totalement impensé. Il accepte l'idée que ce soit totalement non traduit, mais il n'accepte pas l'idée que ce soit totalement impensé. C'est pour ça qu'il a refusé le concept ou la désignation d'inconscient amancial et qu'il l'a remplacé par inconscient enclavé, qui est une très jolie d'ailleurs formulation. C'est une enclave, c'est une partie qui est comme séparée du reste du fonctionnement psychique qui est celui avec lequel on travaille généralement en psychanalyse. Il y a une partie comme ça qui est enfermée, enclavée, c'est-à-dire avec des clés, c'est fermé. Ça c'est la première différence, et pour aller vite, je pense que l'autre différence importante entre l'inconscient enclavé et l'inconscient amancial, c'est que Laplanche pense que ce qui est déposé dans cet inconscient enclavé, non refoulé, est en attente de traduction. C'est-à-dire qu'il postule, qu'il ne l'a pas démontré, il postule que tous ces messages qui sont stockés tels quels, sans aucune modification. Qu'est-ce que c'est que ces messages? C'est compliqué, il n'a pas vraiment précisé, mais ces messages sont en attente de traduction. C'est un point important de Laplanche, mais il n'explique pas comment cette traduction sera faite dans un deuxième temps, à partir de l'inconscient enclavé, pour passer du côté de l'inconscient sexuel refoulé. Mais il postule, c'est un point important parce que Laplanche c'est un théoricien, donc il est capable de penser des choses, même si, et de les poser théoriquement, même s'il n'a pas de preuves empiriques et de preuves pratiques à fournir à l'appui. Il a déjà fait ça longtemps dans sa vie, avant, il est capable, par la théorie, de disposer un certain nombre de propositions qu'il ne vérifiera par la pratique que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. C'est la force théorique de Laplanche. Donc il dit, ces messages sont en attente d'être repris et traduits. Moi je ne pense que ce n'est pas possible. Ces messages ne sont pas en attente de traduction, ils sont foncièrement intraduisibles et c'est assez exceptionnel que ce qui a été déposé dans l'inconscient enclavé ou dans l'inconscient, moi j'appelle immential, c'est assez exceptionnel que ça puisse être justement repris et finalement que ça passe la barrière du clivage, que ça vienne enrichir l'inconscient sexuel refoulé et que du coup ça déplace la barre du clivage, ça réduit la part de l'inconscient enclavé ou de l'inconscient immential et ça permet le développement de l'inconscient sexuel refoulé et du préconscient, c'est-à-dire de la partie névrotico-normale. Pour moi, ce passage-là est très compliqué. En principe, il est impossible. Il faut des circonstances exceptionnelles et en particulier, il faut un certain travail de l'analyse pour que puisse se faire ce processus. Et pour moi, ce processus passe par le rêve et par un certain travail de rêve très particulier. Alors, Laplanche n'a pas dit non à cette hypothèse. On a eu une discussion qui a d'ailleurs été publiée pour savoir si le rêve était capable de faire ce que moi je propose, qui est la perlaboration de cet inconscient immential, perlaboration du clivage donc par le rêve. Donc on a eu, c'était la dernière partie, vraiment les dernières années de travail avec Laplanche portaient sur cette question du rêve. Donc je suis sûr qu'il n'était pas contre, mais il n'a jamais donné un accord complet à cette conception. Et dans le fond, je pense que la réserve qu'il avait, c'est que s'il était d'accord que ce processus était possible, hein, il voulait une voie plus large pour pouvoir passer de l'inconscient immential vers l'inconscient, enfin l'inconscient enclavé, puisqu'on parle en termes laplanchien, de passer de l'inconscient enclavé vers l'inconscient refoulé. Il voulait qu'il y ait d'autres voies plus faciles, plus banales, plus accessibles, plus ordinaires dans le travail de l'analyse, au point même que sa proposition, c'est que, et là ça fait vraiment une différence avec l'inconscient immential, il dit que tous les messages, quels qu'ils soient, passent d'abord par l'inconscient enclavé. Je pense que c'est une contradiction dans son œuvre, mais il maintient ça et que c'est seulement dans un deuxième temps que c'est traduit. Mais il ne montre pas comment, donc il y aurait un temps d'attente, l'inconscient enclavé serait aussi un lieu d'attente avant la traduction, ce qui diminue un petit peu l'opposition que moi je fais entre la communication ordinaire entre un adulte et un enfant et cette situation extraordinaire où l'adulte devient fou. Je pense que Laplanche aurait été moins manichéen que moi sur cette différence entre les deux registres de la vie ordinaire de l'adulte avec l'enfant et puis la violence. Il n'était pas tout à fait d'accord avec ça et donc il pensait que peut-être les messages dans un premier temps pouvaient être mis en attente dans cet inconscient enclavé qui n'était pas seulement le résultat de la violence de l'adulte, mais qui était un passage, une voie de passage plus ordinaire finalement, avant que se fasse le travail de la traduction. Ça c'est la grande différence, je pense, et sur ce point-là, je reste sur mes positions. Merci beaucoup, Monsieur Dejours, et nous espérons à bientôt. Merci beaucoup à vous. À bientôt.